Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, on va parler PVT Australie. Vous l'avez compris, vous êtes tombé sur la bonne chaîne YouTube si vous souhaitez partir avec le Working Holiday en Australie. L'objectif de cette vidéo, ça va être de vous rassurer, de vous donner tous les éléments, les informations essentielles avant de partir en Australie pour vous rassurer. Je peux vous garantir, j'ai 5 ans d'expérience, ça fait quasiment 5 ans que je suis à plein temps sur mon blog, j'ai rencontré des centaines, j'ai aidé des milliers de personnes sur l'Australie. Aujourd'hui, je suis spécialisé sur cette destination, grâce à mon expérience, j'ai passé une année en 2012, une année en 2016, j'ai fait donc quasiment 2 ans de van, 65 000 km. J'ai aujourd'hui l'expérience pour vous donner l'information essentielle pour vous rassurer en Australie. La constatation, et c'est très naturel, c'est qu'avant de partir en Australie, on consulte tous les blogs, on consulte tous les articles, on consulte tous les groupes, et du coup, on se retrouve avec plein d'informations qui sont contradictoires, on se mélange les pinceaux, on n'est pas sûr, on hésite sur sa ville d'arrivée, c'est normal. Moi, je vous propose une solution, c'est qu'en fait, ça fait 5 ans que je suis spécialisé sur l'Australie, donc ce n'est pas des vidéos que je fais comme ça de temps en temps, c'est vraiment mon activité à temps plein. Aujourd'hui, je suis blogueur professionnel spécialisé sur l'Australie, donc je maîtrise pleinement mon sujet. Partir en Australie avec le Working Holiday, c'est pour la plupart des jeunes, moi c'était le cas en 2012, ma première expérience en sac à dos, et du coup, c'est un vrai cap à franchir, à partir à l'aventure, quitter sa famille, quitter ses amis, quitter sa zone de confort. C'est quelque chose de pas facile, mais qui est largement accessible pour tous, ou la plupart des profils. Aujourd'hui, il y a énormément de jeunes qui partent en Australie dans le cadre de leurs études, pour faire des études donc localement, pour partir en stage, pour vivre une expérience du free picking, pour vraiment vivre l'expérience à l'australienne. Mais naturellement, on se pose tous les mêmes questions. Est-ce que je vais trouver du travail en Australie? Est-ce que je vais rencontrer du monde? Est-ce que quand je vais arriver, je ne vais pas perdre trop d'argent? Naturellement, on se pose tous les mêmes questions par rapport au budget, par rapport aux rencontres, par rapport à l'expérience. C'est tout à fait normal. La vraie difficulté, c'est que quand vous préparez votre visa vacances-travail en Australie, vous êtes à plus de 20 000 km à distance. Et donc du coup, même si on se renseigne sur les vidéos, on se renseigne sur les articles, on pose des questions, on rencontre des gens qui sont partis en Australie, voilà, on est à distance et du coup, on n'a pas l'impression de maîtriser l'information et les préparatifs. Ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est totalement la réalité, c'est qu'en fait, avant de partir en Australie, eh ben, ça paraît totalement compliqué parce que, comme je vous l'ai dit juste avant, bah, vous êtes à distance, c'est pas évident. Mais une fois sur place, vous allez vous rendre compte que finalement, toutes ces questions que vous posez au départ, c'est-à-dire par rapport à les jobs, par rapport à l'itinéraire, par rapport à est-ce que j'ai trouvé un travail dans les fermes, une fois sur place, tout va se débloquer. En fait, tout simplement parce que vous n'allez pas avoir le choix, vous allez être pour la plupart des gens motivés, vouloir décrocher un travail, améliorer votre anglais. Vous allez constater que toutes les questions que vous posez depuis la France, qui paraissaient des montagnes, parce qu'en fait, en France, le système est toujours très compliqué pour créer des startups, pour décrocher un travail. Il y a toujours il y a un tas de papiers. En Australie, vous allez voir, tout est très simple. Ouvrir un compte bancaire, ça n'a jamais été aussi simple en Australie. Ouvrir son compte retraite, pareil, c'est très simple. Il suffit juste d'aller à la banque. En fait, tout est très simple en Australie, vraiment. Avec de la motivation, en Australie, on peut décrocher un travail entre 24 heures et 21 jours. C'est à peu près la moyenne.
Alors après, bien sûr, il y a des gens qui vont plus ou moins galérer, c'est normal parce que ça dépend de vos compétences, votre niveau d'anglais, votre réseau. Mais par expérience, on décroche un job en 2 semaines. Et ça, c'est vraiment un point très important parce qu'au départ, vous allez avoir beaucoup de dépenses dans les auberges jeunesse, vous allez avoir beaucoup de dépenses pour acheter des affaires, pour acheter un van. Et du coup, ça, c'est la question qu'on se pose vraiment avant de partir, même avant de prendre l'avion. On se dit, est-ce que je vais décrocher un travail? Alors oui, vous allez décrocher un travail. Oui, c'est possible. Non, c'est pas l'Eldorado. Pour réussir son PVT en Australie, ça demande juste de la motivation, de la détermination et un niveau d'anglais minimum. À partir de là, si vous avez tous ces éléments, il n'y a aucun problème, je vous rassure, vous allez trouver du travail facilement. Pour les rencontres, c'est très simple parce qu'en fait, il y a énormément de backpackers qui partent d'Australie, des Français, des Espagnols, des Italiens, des gens d'Amérique du Sud. Il y a énormément de gens qui partent en Australie et du coup, ça n'a jamais été aussi simple de rencontrer des gens sur place lors de l'arrivée. Pour les gens qui voyagent seuls, ça va être encore plus facile parce que vous allez être encore plus ouvert, vous allez aller vers les autres. Vous allez voir, à peine arrivé dans les auberges, vous allez rencontrer énormément de monde. En rencontrant du monde, vous allez forcément parler travail. Et en parlant travail, vous allez vous créer des opportunités de boulot. Le plus important en Australie, je le répète souvent dans mes vidéos, c'est le network, le réseau. Si je vais résumer cette vidéo, c'est comme si par exemple vous imaginez que vous allez franchir l'Himalaya ou le Mont Blanc en escalade et en fait vous allez arriver sur place. Finalement, ça va être une simple colline à franchir. Alors après, je ne dis pas que c'est facile. Je peux vous garantir que à travers mon réseau, aujourd'hui, il y a plus de 22 000 personnes sur ma page Facebook. J'ai jamais reçu un seul avis négatif, ou que ce soit à mes réunions, il y a eu plus de 1200 personnes en me disant « Damien, tout ce que tu dis, c'est faux, j'ai galéré, je rentre en France ». Franchement, les gens qui rentrent en France à cause de l'argent, j'en connais une personne et encore, c'était juste un problème de motivation. Pour vous rassurer, si vous êtes dans la situation où vous n'arrivez pas à trouver du travail, que vous êtes tombé sur cette vidéo, l'objectif numéro 1, c'est de quitter ce lieu et d'aller voir ailleurs, tout simplement. Donc, changez votre stratégie, essayez de vous remettre en question par rapport à votre CV. Est-ce que votre CV, il est bien ciblé par rapport au job que je recherche? Pour aller plus loin, pour les personnes qui partent en Australie avec le visa vacances travail, j'ai créé un groupe qui s'appelle Les Jobs en Australie. C'est un groupe où les gens postent leurs annonces. Les gens recherchent du travail, c'est un groupe qui marche très bien. Je vous invite à rejoindre le groupe Les Jobs en Australie. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à me rajouter Damien Demarle sur Facebook. Voilà, j'espère que je vous ai rassuré. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et réagir dans la vidéo. Plus il y a de commentaires, plus c'est utile et plus on est constructif. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir les alertes dans mes différents voyages. Ma chaîne YouTube, c'est pas uniquement l'Australie. Je partage aussi mes expériences de voyage, mes conseils de voyage en général. J'étoffe le contenu sur l'Océanie dans mes vlogs voyage. Allez, à très bientôt et salut les amis.